Donc, on va nommer les arguments, les identifier, et Christophe, avec le petit compteur axe magique, qu'on va maintenant vous présenter et réutiliser de façon récurrente dans toutes les prochaines vidéos, comptez le nombre d'inepties, c'est-à-dire le nombre d'arguments fallacieux féministes que Thomas nous propose, et on verra qu'en fait, il fait le tour. Il est complet, c'est-à-dire que c'est un abruti complet. Il a vraiment la synthèse de tout l'anti-monde, de toutes les périphrases et antiphrases féministes qui donnent envie parfois de s'agacer un petit peu. Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille ? Je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. J'ai pas la pierre, il a niqué. Il y a pas de problème. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Christophe, si tu devais expliquer à quelqu'un qui a vécu dans une grotte pendant les 45, 50 dernières années, tout ce qui va de travers avec les complaintes féministes actuelles. Avoue que ça serait pas simple. Imagine maintenant que je te sorte de mon chapeau une personne, une femme, un homme, quelque chose entre les deux, on ne sait pas encore, qui synthétise tout le pire du féminisme, tous ses travers, qui soient un peu la conséquence de la fuite en avant de toute la malpensance et de tous les biais. Comme dirait Audiard, une synthèse. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Eh bien, cet homme tronc, cet homme synthèse existe. Je vais vous le présenter dans un instant. Il est prof de maths dans un lycée à Roubaix et il s'appelle Thomas. Dans quelques instants, on va regarder ensemble la synthèse et l'idée n'est pas de fournir à chaque argument le contre-argument. L'idée, c'est simplement de les nommer. Hein. Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, comme disait Camus. Ou tant qu'on n'a pas formulé un problème, on ne peut pas le résoudre, comme dirait Janco. Tu connais Janco maintenant, parce que tu le cites toujours en intro et en conclusion. Donc, on va nommer les arguments, les identifier. Et Christophe, avec le petit compteur axe magique, qu'on va maintenant vous présenter et réutiliser de façon récurrente dans toutes les prochaines vidéos, comptez le nombre d'inepties, c'est-à-dire le nombre d'arguments fallacieux féministes que Thomas nous propose, et on verra qu'en fait, il fait le tour. Il est complet, c'est-à-dire c'est un abruti complet. Il a vraiment la synthèse de tout l'anti-monde, de toutes les périphrases et antiphrases féministes qui donnent envie parfois de s'agacer un petit peu. Peu ou pas de contexte, mais je ne peux quand même pas m'abstenir de vous donner quelques informations croustillantes à propos de Thomas, à qui on passe le bonjour s'il nous regarde. Alors, comme vous allez facilement l'identifier, parce qu'il est public en ligne, et comme il se plaint souvent de cyberharcèlement, c'est d'ailleurs un petit peu son argument principal, ça va sans dire, mais je le dis quand même, je vous enjoins tous à ne lui proférer aucune menace, aucune insulte, aucune critique qui ne soit argumentée. Je pense qu'il en a déjà reçu assez comme ça. Et si jamais des abrutis qui se cacheraient parmi mes chatons et qui seraient, j'imagine, très rares, venaient à le molester verbalement ou sur Twitter ou quoi, évidemment, je le déconseille et ils seront châtiés et expurgés de ma base. Je n'encourage à molester personne, ni physiquement, ni oralement, ni dans la rue, ni sur Twitter. Donc voilà, Thomas, j'ai fait tout ce que je pouvais pour te défendre. Après, bon, maintenant, si les gens ont envie de te donner des baffes, j'y suis pour rien, c'est peut-être que tu les énerves. Alors, Thomas Messia a le temps d'être prof de maths, je cite son LinkedIn, à plein temps, full-time, dans un lycée à Roubaix, mais également podcasteur féministe. Notamment, ces podcasts sont diffusés sur Slate. Alors, podcasteur et féministe, ça s'appelle un pléonasme. C'est comme dire journaliste macroniste ou spéculateur apatride. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux te résumer l'un des deux mots contient déjà l'autre. Hein. Alors, à côté de son emploi, évidemment, à plein temps, il a quand même 542 articles sur Slate. Arrêtons-nous simplement un instant sur ce chiffre. Il faut savoir que moi, en 15 ans, j'ai écrit 1000 articles. Pour mon blog Homme d'Influence, sachant que j'ai pas un job à plein temps à côté, c'est mon job à plein temps.
Donc, m'expliquer que tu as un job à plein temps et que tu as le temps notamment de pondre 542 articles, ça veut quand même dire que prof de maths, tu glandes pas grand-chose. Hein. D'ailleurs, je pense de plus en plus que... En plus, ils s'en vantent. Je pense de plus en plus que les profs méritent leur sort de prolo et tout ce qui va leur advenir en provenance d'une société qu'ils ont contribué à forger. Donc, caillassage et compagnie, les amis de l'éducation nationale, il fallait y penser avant. Alors, parmi ces 542 articles, je vous donne quelques titres, rassurez-vous, pas tous, mais qui m'ont interloqué. Le titre de ces articles, donc, le premier s'appelle « Papa, laisse pleurer ton fils ». Donc, on verra qu'il est très pour un mégenrage, c'est-à-dire pour une inversion des codes d'éducation entre les filles et les garçons, ce qui est d'ailleurs... Encore, on le notera tout à l'heure avec notre petit compteur, c'est une énième ineptie du féminisme, car en réalité, l'exercice a déjà eu lieu, et ça a systématiquement, dans toutes les sociétés qui l'ont essayé, été un échec. Les filles élevées comme les garçons, et les garçons élevés comme des filles, ont à la puberté, c'est-à-dire au moment où tes hormones s'imposent à... où la nature s'impose à la culture, où les hormones s'imposent à l'éducation, ce sont des gens qui le vivaient extrêmement mal, et qui soit réclame à corps et à cri de la chirurgie pour éliminer l'antagonisme, soit en fait mettre fin à leur jour ou se mutilent. La réalité des faits, c'est ça, c'est vérifiable, il faut le savoir, c'est pas dans mes livres, c'est dans les livres d'autres, mais on a l'information. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, c'est déjà que sous ce titre malhonnête, en réalité, cet article, c'est l'opportunité pour lui de s'adonner à ce qui prétend être un de ses talents, qui est la critique cinématographique. Et en l'occurrence, ça s'appuie sur la critique d'un film d'Alain Chabat qui s'appelle Papa. L'as-tu vu ? Ouais. Eh bien moi, non seulement je l'ai vu, Papa, mais en plus, je l'ai vu au cinéma à l'époque, dans les années 90, début 2000, je crois. Je l'ai non seulement beaucoup aimé, mais je l'ai acheté en DVD, et c'est un de mes films préférés. C'est tout sauf ce que tu racontes, c'est tout sauf une injonction à faire pleurer ses gamins, c'est tout sauf féministe, c'est tout sauf larmoyant, et c'est tout sauf de la sensiblerie. C'est notamment le film qui m'a réconcilié avec Alain Chabat, que je prenais un peu pour un sous-comique, j'avoue ne pas avoir accroché à l'époque des nuls. J'avoue ne pas avoir été très attiré par son film Didier. Par contre, Alain Chabat là-dedans, c'est fin, c'est drôle. Il éduque son fils avec de la virilité et de l'empathie. Et ça, c'est mon modèle d'éducation. Je vous le dis maintenant, c'est la première fois. Si j'ai des enfants, si Dieu le veut, ou si je rencontre la bonne personne, mon modèle éducatif, ça ne sera pas mon père, parce que c'est loin d'être un modèle. Ça sera Alain Chabat dans Papa et Bill Cosby dans le Cosby Show. Pas Heathcliff, hein, pas l'acteur Bill Cosby que je ne connais pas, le personnage de Heathcliff Huxtable dans le Cosby Show et Alain Chabat. Voilà. Donc si vous avez des enfants avec moi, bah, vous saurez déjà à quelle sauce ils vont être mangés. Mais franchement, c'est pas la pire. Ce film est une pépite, ce film est une merveille. Le DVD ne coûte rien, vous pouvez le trouver en streaming. Vous ne perdrez pas votre temps, voilà. Et si vous n'en voyez pas la simple perfection, bah c'est que vous n'êtes pas câblé, vous n'êtes pas branché, vous avez un problème, vous n'êtes pas sensible. T'aimes quoi comme gâteau, toi ? Moi, j'aime les Chamonix. Ah non, pas les Chamonix, c'est dégueulasse, les Chamonix. Bah, moi, j'aime bien. Non, enfin, je suis ton père, c'est ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Donc, déjà, quand tu vois qu'il est capable de tordre la réalité au point de transformer quelque chose de très neutre, très fin, en parodie, en pastiche, de le pasticher... en apologie du féminisme, tu te dis que le mec n'est pas forcément très 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 honnête. Ensuite, il nous parle des Manic Pixie Dream Girls, donc de femmes qui sortiraient de l'ordinaire. Alors moi, dès que j'entends une histoire de gens qui sortent de l'ordinaire, notamment des femmes, j'ai toujours en tête cette citation de Nabokov dans Lolita, quand il... je te l'ai déjà dit d'ailleurs, celle-ci, je crois. Quand il est contraint d'épouser Charlotte, c'est-à-dire la maman de Lolita, puisque Nabokov, en fait, est amoureux de Lolita, mais qui est mineur, et donc il est obligé, pour passer du temps avec elle, d'épouser sa mère. C'est ça le grotesque de la situation. C'est un grotesque tragique, mais c'est, avant d'être tragique, Lolita est avant tout grotesque. Et il est contraint d'épouser sa mère, qui s'appelle Charlotte, et donc la mère lui fait la cour, hein. Elle fait montre un peu de sa queue, comme le pan, et parmi les qualités qu'elle lui montre, il y avait notamment un côté très, très aventurier.
Et, et Nabokov l'achève, c'est-à-dire qu'il l'a, il la découpe au sabre japonais, comme dirait Jovan Oïk, avec cette phrase, « Ma Charlotte, soi-disant solitaire et passionnée, s'est avérée en réalité grégaire et complètement terre-à-terre. Voilà. » Donc c'est ce que m'évoquent toujours ces descriptions de femmes solitaires, aventurières, courageuses, uniques et différentes. Je suis désolé, mais en même temps, tu connais le dictionnaire de la misogynie? C'est ce livre d'Agnès Michaud, animatrice de Canal de la grande époque, qui s'était rendu compte, en fait, à sa grande surprise et avec un peu des yeux de poisson frit, que l'intégralité des écrivains étaient misogynes. Mais tous, en fait. C'est-à-dire que autant ceux qui sont au Panthéon qu'à la limite les plus anonymes, tous ceux qui ont creusé les tréfonds de l'âme humaine sont tous arrivés à une époque ou à une autre à une intense dose de misogynie. Et elle s'en étonnait en ne voyant pas la récurrence. En fait, elle avait toutes les perles du collier, mais elle ne recousait pas le collier, elle ne voyait pas la logique. Bon, bah. Le foot féminin peut-il s'affranchir des hommes? Donc ça, encore une fois, énième arnaque féministe consistant toujours à réclamer l'égalité des salaires quand il n'y a pas l'égalité des spectateurs. Il suffirait pour... Moi, je vais vous donner le secret. Pour que les sportives féminines perçoivent les salaires des sportifs masculins, il faudrait que le sport féminin génère la masse financière que génère le sport masculin, c'est-à-dire qu'il soit regardé, c'est-à-dire qu'il soit intéressant. Quand les sportives féminines produiront un spectacle aussi intéressant que les sportives masculines, sachant qu'en plus, elles sont plus jolies, les volleyeuses, c'est plus joli que les volleyeurs, eh bien, elles généreront la même masse financière, et quand elles négocieront aussi bien auprès des télés et des distributeurs, eh bien, elles seront payées pareil. Voilà, ça s'appelle la logique financière de base. Contredisez-moi si vous le souhaitez, mais par contre, argumentez. Les toilettes... Alors, là, Thomas Messiah, hein, à ne pas confondre avec le Black Messiah de George Duke, qui est une chanson admirable, alors là, il nous révèle en fait un aspect de sa personnalité, ou plutôt, il faut lire quelque chose entre les lignes, mais qui va vous apparaître beaucoup, beaucoup plus clairement dès qu'on va ensemble le voir. Hein. Il y a des choses qui suent, qui transpirent dans une posture, dans un regard, dans une attitude. Mais je vous en délivre quand même un petit anteprima, comme on dit ici, un petit avant-goût. Qu'est-ce que ça t'évoque quand un homme, prof de maths dans un lycée à Roubaix, podcasteur féministe, pléonasme, prend 1, 2, 3 heures de son temps pour écrire un article intitulé « Ces toilettes intelligentes pratiquent la reconnaissance anale ». Tout ce que je dis est vérifiable, hein. Il faut aller sur Slate. Donc que t'évoque un homme, hein, dont la soirée consiste à décrire le fonctionnement d'un toilette intelligent qui pratique la reconnaissance anale? Qu'est-ce que spontanément tu parierais sur son orientation, sa dévotion, son culte, ses dilections? Moi, je ne sais pas, mais comme ça, c'est peut-être ma part de F, j'ai une intuition, tu vois. T'as un mec qui me parle de reconnaissance anale, je me dis, tiens, Dark Side of the Moon, tu vois, je veux dire, il rentre par l'entrée des artistes, quoi, par l'entrée de service. Mais bon, j'ai l'esprit mal tourné, je suis gaulois, je suis grivois, je suis grossier, je suis bigarien, je suis tout ce qu'on veut. Mais je me dis quand même qu'il aime bien la petite porte. Petite porte sombre. Le prénom Jean-Michel ou les 1000 facettes de la domination masculine. Donc là, on ne sait pas ce qui se passe, manifestement. Il y a quelque chose, il y a une rupture qu'il a mal digérée avec un Jean-Michel, on ne sait pas. J'aurais dit Jean-Claude, à la limite, tu vois, le Jean-Claude convenant de Caméra Café, mais non, lui, c'est Jean-Michel. T'en veux, non? Hashtag mon postpartum. Il a tenté piteusement de lancer un hashtag mon postpartum, qui a dû faire 3 retweets. Tu sais ce que c'est, le postpartum? Eh non, parce que tu es un homme hétéro, blanc, cisgenre, et que tu te fous simplement de ce qui suit la grossesse de ta femme. Le post-partum, c'est la période suivant l'accouchement de ta femme et la période de dépression, ce qu'on appelle c'est le pendant féminin du post-coitum masculin. Ça, c'est, il faut lire Pascal Quignard, Le sexe et l'effroi, je l'ai dans mes bibliothèques à côté. Post-coitum, c'est ce sentiment intense de dépression et cette envie de disparaître et de dormir. Donc de dormir, c'est quoi symboliquement? C'est retourner dans l'abstrait, dans le néant, que tu ressens après l'orgasme.
après l'orgasme, et les femmes ne le ressentent pas. Donc c'est pour ça qu'elles ne comprennent pas notre soudain désintérêt à ce moment-là. Par contre, nous, on ne comprend pas leur désintérêt post-partum, après accouchement, où, comme disait Monterland, tout ce qui est atteint est détruit. Donc quand ton projet de vie est de te reproduire, eh ben, forcément, quand c'est fait, tu ressens un vide existentiel du fait que tu n'as pas de projet et que ta vocation, ton rôle anthropologique, ta mission, ta vocation vient de s'achever. Tu ne sais plus quoi faire. Post-coitum, post-partum. Donc manifestement, le post-partum le passionne plus que l'autre, donc il ne serait peut-être pas étonnant qu'un jour il finisse par, je sais pas, se faire inséminer, ou j'ai lu des commentaires très très désobligeants à son sujet sur sa prestation TED, qu'il appelle l'homme vagin, donc peut-être y a-t-il des informations confuitées, il va peut-être se mettre à accoucher, on ne sait pas, moi je ne serais pas très très étonné. Et alors, dernier clou au cercueil, si je puis dire, il trouve très drôle le piège tendu par un youtubeur anglo-saxon à une chroniqueuse soi-disant d'extrême droite, invité à recevoir un prix qui n'existe pas et moqué. Alors en réalité, moi, dès que j'entends extrême droite de la part d'un podcasteur féministe, évidemment, je vais me renseigner sur la personne en question. Et en réalité, c'est une communicante anglaise, british, pro-Brexit, pro-Trump, pro-Farage, pro-Boris Johnson, et qui fait des tweets finalement assez conservateurs, avec un humour très anglais, très cynique, très pincé, un peu à la Jeremy Clarkson, très drôle, relativement provocante, et qui constate en fait ce que n'importe qui de bon sens constate, c'est-à-dire que, par exemple, l'islamisation de Londres s'est accélérée avec l'élection d'un maire musulman, enfin des choses finalement assez... enfin qui ne prêtent pas à la diffamation, qui ne prêtent pas le flanc à des attaques pour diffamation. Mais voilà, ça c'est la toxicité, bizarrement. Mais alors là, le fait que ce soit une femme ne la défend pas ou ne la protège pas. Hein, bizarrement, là c'est plus le patriarcat blanc cisgenre, mais c'est comme Marine Le Pen, hein, c'est un moment... être conservateur ou nationaliste ou souverainiste, finalement, tu écopes des défauts que tu prêtais au camp d'en face. Hein. C'est toujours ces espèces de bugs, là. Ils ont du mal à jouer au baby-foot et à faire passer les méchants et les gentils dans les bons camps, selon les thèses qu'ils défendent. Alors, une énième confirmation de sa personnalité duale, dichotomique, un peu antonyme, que vous allez constater dans la vidéo, se trouve également sur sa description LinkedIn. « C'est un prof de maths, dit-il, je cite, de formation, mais très littéraire dans l'âme. Hein, toujours donc A et non A, une chose et son contraire, la pomme et la poire, la pêche et la banane. Il mènerait depuis les années 2000 une double carrière, donc toujours double, hein, toujours pile, face, devant, derrière. Hein. Une double carrière en multipliant les expériences. Je fais un clin d'œil à ceux qui liront entre les lignes la référence à l'expérience multiple. Il est de plus en plus sollicité, dit-il, par certains médias, on ne sait pas très bien lesquels, moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. On le convierait à de nombreuses conférences. Je n'en doute pas, mais en même temps, j'ai envie de te dire, si ton propos est censé pertinent et original, fais comme moi, enregistre tes conférences, vends-les, et on verra la réalité monétisable de ton travail à qui l'achète, hein, à la différence de qui te sponsorise. Et le podcast dont il s'occupe pour Slate est très populaire. Donc Christophe, à ton avis, quand on enregistre un podcast très populaire pour une revue subventionnée qui a quand même tous les algorithmes des réseaux sociaux en sa faveur et en son sens. D'après toi, combien fait-on de vues en 5 mois, c'est-à-dire entre janvier et mai 2020? Pas mal, j'espère. Dis un chiffre. Je vais te dire combien le podcast très populaire de Thomas Messia a fait de vues sur YouTube entre janvier et mai 2020. Avec, évidemment, le relais de la machine. Hein, c'est-à-dire que là, les algorithmes sont en sa faveur, alors que nous, ils sont systématiquement en notre défaveur. Normalement, c'est très populaire, 1 million de vues. Un petit peu moins. Un petit peu moins. 800 000 vues. 600 000 vues. 400 000 vues. 100 000. 725. Pas 725 000, hein. 725. 725 vues en 5 mois,
Et devine combien. Alors, tu connais le principe de YouTube, il y a des pouces. Hein. D'ailleurs, je vous encourage évidemment à manifester votre intérêt ou votre désintérêt avec des pouces levés ou des pouces baissés. À ton avis, combien de votes positifs ou combien de pouces bleus a-t-il recueilli? En pourcent. En pourcentage Nous, on fait combien de pouces bleus, par exemple, par vidéo? Des millions. Non, non, en pourcentage. On fait entre 90 et 95. Alors, lui, combien a-t-il fait? Il a dû faire un 5%. Comment tu le sais? C'est ça. Il a 5% de pouces bleus et 95% de pouces rouges. C'est dire si sa parole rencontre un large écho dans la population. 725 vues en 5 mois, c'est-à-dire en 5 mois, donc 365 jours par an, ça fait 180 sur 6 mois, ça fait 100, à peu près 150 sur 5 mois. Donc le mec fait 4,8 vues de tête, 4,8 vues par jour et 95% de pouces négatifs. Et c'est ce qu'il appelle un podcast très populaire. Donc à partir de là, je pense qu'il faut quand même qu'on regarde ce type pour comprendre un petit peu cette vague de popularité qu'il suscite. Donc l'idée là, Christophe, c'est pas de contre-argumenter à son exposé parce que ça prendrait des heures et de plus, 95% des arguments, je les ai déjà énoncés sur la chaîne. L'idée, c'est de l'utiliser comme synthèse vis-à-vis d'un extraterrestre qui viendrait de débarquer chez nous, de quelqu'un qui aurait grandi dans une grotte et qui aurait loupé toute la séquence féministe des 40 dernières années. Donc j'ai prêté mon petit compteur Axe à Christophe et il va nous mettre un bon clic à chaque concept, ce qui permettra vraiment de mesurer à quel point le mec est une synthèse. Si les compter, les nommer, les qualifier, si j'en loupe, vous le dites en commentaire. Voilà, comme ça vous avez fait les deux, vous avez mis les pouces, puis vous faites maintenant les commentaires. Résistez les enfants, résistez à la tentation des attaques physiques. Je sais que c'est tentant, je sais qu'il a quelque chose dans sa physiologie de très énervant, je sais que vous êtes prêts à partir d'aller. Résistez, c'est pas fair play. En plus, parfois la caméra ne met pas les gens à leur avantage. Donc résistez, je sais que c'est tentant, mais résistez. Qu'on ne doit pas dire aux petits garçons que pleurer c'est pour les filles. Si vous êtes d'accord, j'aimerais bien que vous leviez la main s'il vous plaît. Christophe, première instance, première occurrence dans la synthèse de tous les arguments féministes depuis 40 ans, les éducations sont mégenrées. Hein, on se trompe en associant, en affiliant certaines activités aux filles et aux garçons. Je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, on a déjà les sources. On sait très bien qu'en réalité, les expériences contraires, c'est-à-dire inverser les choses, fabriquent des névrotiques et créent des pathologies et créer des drames humains. Donc voilà, rien d'autre à dire, simplement on compte, on compte, on compte. C'est une synthèse, c'est ça l'intérêt de ce mec-là, c'est que c'est une synthèse en fait. Êtes-vous d'accord avec le fait qu'à compétences et postes similaires, les femmes devraient gagner autant que les hommes? Levez la main s'il vous plaît. Donc là, deuxième occurrence de la synthèse, c'est que compétences, ça ne veut rien dire. Hein. C'est comme en industrie, qualité, ça ne veut rien dire. Toi, tu es photographe, par exemple, Christophe, si je te dis... une photo de qualité, c'est quoi? C'est subjectif. Ça ne veut rien dire, une photo de qualité. Et pourtant, tu es un professionnel. Une photo de qualité, ça ne veut rien dire. Moi, je suis passionné de son. Un son de qualité, ça ne veut rien dire. Eh bien, autant en industrie, c'est qualité qui ne veut rien dire, autant sur le marché de l'emploi, compétence, ça ne veut rien dire. Il y a une compétence technique, il y a une compétence relationnelle, il y a une compétence sociale, il y a une compétence managériale, il y a une compétence à négocier son salaire. Et même... à compétences égales, il y a des caractères, il y a des gens qui fitent dans une organisation, il y a des questions de timing. L'idée que la compétence serait objectivable par un diplôme, c'est absurde, c'est simpliste et ça ne colle pas à la réalité de l'entreprise. Donc évidemment, quand on fabrique des idées avec des concepts, avec des briques, quand on fait rentrer des briques carrées dans des idées triangulaires, ça ne peut aller nulle part. Donc déjà, quand vous entendez le mot doctrine, c'est Vaseline, on l'a dit à la dernière vidéo. Quand vous entendez compétence égale, sachez que ça ne veut absolument rien dire, car deux professionnels à qualification équivalente, à diplôme équivalent, et même à norme certificatrice équivalente,
deux entreprises certifiées ISO 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, tout ce que tu veux, te feront deux travaux totalement différents, parce qu'à la fin, c'est une question de caractère humain, de professionnalisme, d'attention aux détails, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas mesurer la compétence et la grille de salaire et le fruit non seulement de cette compétence inquantifiable, mais également du moment où tu es arrivé dans l'entreprise, des circonstances dans lesquelles tu es arrivé, de la façon dont tu as négocié ton salaire d'entrée, de la façon dont tu as manœuvré pour changer d'équipe au bon moment. Donc, dès que vous entendez compétence égale, c'est évidemment qu'on va vous faire un discours de pleurniche derrière et de revendication. D'accord. Merci. Êtes-vous d'accord avec moi si j'affirme que les femmes devraient pouvoir évoluer dans l'espace public en toute sérénité, sans avoir peur de se faire siffler ou de se faire agresser sexuellement? Donc là, évidemment, troisième argument de la pleurniche féministe, c'est que l'espace public serait mis en danger et menacé. Alors oui, je veux bien, c'est très vrai. Par contre, il faut dire dans quelle zone, qui peuple ces zones et pourquoi. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être cohérent politiquement avec cette ligne-là. Je devine entre les lignes qu'évidemment, au nom de la fameuse intersectionnalité, c'est-à-dire de l'union des luttes, eh bien, il ne dénoncera jamais l'origine ethnique de 80 ou de 90% des auteurs de ces fameux harcèlements de rue. Puis il y a également l'argument de l'indifférenciation entre un sifflet, qui est finalement une façon un peu grivoise de manifester de l'intérêt, et du harcèlement physique et de la menace. Hein. Ce n'est pas tout à fait non plus sur la même échelle. Levez la main, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, c'est formidable. Vous êtes tous et toutes féministes. Nous sommes toutes et tous féministes. Merci. Bon. Il paraît que j'ai un petit peu de temps encore. Et puisque le sujet est quand même un peu moins léger, un peu moins futile que ça, autant en profiter. Je voudrais vous raconter ce que m'a apporté le féminisme à titre personnel, les bonnes choses et aussi les mauvaises. Pour cela, je voudrais remonter quelques années en arrière. Pendant la décennie qui vient de s'écouler, j'ai été victime de cyberharcèlement. Oui, alors, énième argument féministe, vraiment le mec est une synthèse. Il ne se passe pas 30 secondes sans qu'il nous aide à son corps défendant, presque contre lui, à faire le résumé de tout ce qui ne va pas. L'argument du harcèlement, c'est toujours la vignette du harceleur harcelé ou de celui qui, tu sais, il y a ce petit dessin humoristique qui circule beaucoup sur Twitter, où tu vois une pelle, le manche d'une pelle envoyer une matière marron, hein, qu'on imagine de la matière fécale, d'un côté du mur, et puis il en reçoit 15 fois la quantité en retour et il crie au harcèlement. En réalité, ce qu'il appelle son travail, en fait, c'est de se muer, c'est de constituer un groupe suffisamment ample pour être en mesure de signaler tous les propos discordants sur les réseaux sociaux afin, en fait, de faire clore les comptes des gens. Et la haine qu'il se plaint de recevoir, c'est en fait la réaction épidermique de quelqu'un qui essaie d'être un libre penseur, c'est-à-dire qui essaie de penser en dehors de la matrice, donc d'avoir un propos discordant ou même parfois dissident, dont la liberté d'expression et de parole est honnie par des algorithmes qui ne l'ont jamais écouté, mais qui ont simplement vu que 50, 100, 200, 300, 400, 500 personnes ont signalé ce compte, et donc qui se retournent légitimement vers l'instigateur de ce signalement, hein, parce que c'est de la délation façon Vichy, quoi, et qui lui dit « Mais écoute, petit gnome, qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Et là, tout à coup, le mec hurle au harcèlement, tu sais, et appelle à une rétorsion encore plus sévère contre, finalement, les gens qu'il a lui-même participé à bloquer et à honnir et à exclure. Non, ce n'est pas tout, parce que le cyberharcèlement, ça ne s'arrête pas quand l'ordinateur s'éteint. Ça se propage dans ce qu'on appelle la vraie vie. Je vais vous donner un exemple. Un soir, on sonne à votre porte, vous êtes tranquillement installé en famille. Surtout, efforcez-vous de ne pas regarder ses seins. C'est très difficile parce qu'en fait, le regard descend et on voit ces espèces de deux petites pointes, là, ces deux seins en poire, et on imagine la souffrance de ce type dans l'utérus de sa mère à recevoir comme ça des bouffées d'estrogène. Parce que tu sais que c'est dans l'utérus, en fait, qu'on reçoit l'estrogène et la testostérone en dose alternée. Et alors, si on a des phases
de testostérone un petit peu plus long que l'estrogène, et ben on est plus H, puis sinon on est plus... Et lui, tu imagines, en fait, le mec, il était perfusé à l'estrogène, et d'où ce corps quasi féminin, en fait. Parce qu'on est, au-delà de l'androgyne. Il a vraiment des attributs physiques féminins, et c'est assez fascinant. On le regarde, on est un peu dégoûté, un peu fasciné. C'est un livreur de pizza. Il vous apporte deux pizzas que vous n'avez absolument pas commandées. Attention, là, il est en train de vous décrire une histoire, c'est alien. Là, c'est sa conception du harcèlement physique. Donc, c'est pas l'excision, c'est pas le caillassage, le tabassage. Non, attention, il va vous décrire ce que c'est que le parangon, le modèle ultime du harcèlement pour lui. Attention à la métaphore. Vous lui dites qu'il y a erreur. Vous vérifiez le bon de commande avec lui, c'est effectivement votre nom, votre adresse. Vous finissez par accepter les pizzas parce que vous ne pouvez pas prouver que vous ne les avez pas commandées. Et puis le lendemain, on sonne de nouveau à la porte. À la même heure à peu près. C'est le même livreur de pizza. Cette fois, il n'a pas deux pizzas, il en a huit. Et vous n'avez toujours, évidemment, rien commandé. Vous ne tardez pas alors à comprendre qu'il se passe quelque chose et que, quelque part, des gens ont décidé qu'à présent, leur hobby principal consisterait à s'arranger pour que plus jamais vous ne vous sentiez en sécurité, même au sein de votre foyer, même avec votre famille. Voilà. Donc, la description de l'enfer sur Terre, la paranoïa, la susceptibilité maximale de l'individu, l'exemple qu'il a choisi parmi tous pour nous terrifier, c'est celui-ci. C'est-à-dire que dans son échelle mentale de la terreur, c'est pas les bombes, la bombe nucléaire, les roquettes, le couteau sous la gorge, le Allahu Akbar, non. Dans son échelle de la terreur, il a quand même choisi son TEDx, il a eu des mois pour le préparer. Il a eu des mois pour penser à un exemple. L'exemple maximal d'intensité, de violence et de douleur qu'il a choisi, c'est de recevoir des pizzas non sollicitées. Donc soit c'est une référence, et alors là il est très très bon, soit c'est une référence au Pizzagate, et donc là on entre tout de suite, là on a passé des barbelés et on entre en terrain militaire, et là on peut se faire shooter, donc je ne vais pas développer, j'encourage quiconque qui s'intéresserait au sujet à regarder les documentaires à cet effet, disponibles sur internet et sous-titrés sur des sites complotistes qu'on ne citera pas, avec des initiales en quatre lettres. Je me demande par contre, voilà, soit... Le mec est un agent double. Et en fait, il nous fait passer un message hyper dissident qui consiste à nous intéresser au Pizzagate. Soit il est au premier degré. Et la réalité, c'est que la nature profonde de son traumatisme, c'est que le livreur se trompe de porte. Donc tu vois, il y a toujours l'image de la petite porte, la grande porte, la porte de derrière. On sent que ça le gratouille autour de cette entrée-là. Quoi. De harcèlement ou de cyberharcèlement, puisqu'au fond, à part le support, c'est à peu près la même chose. Ah non, non, je te garantis que c'est pas la même chose. Hein. Se faire casser la gueule, se faire menacer, se faire expulser par des voisins toxicomanes qui vendent du crack en bas de chez soi, voir sa petite sœur brûlée ou trucidée ou excisée, c'est pas du tout la même chose que de recevoir des moqueries sur Twitter ou des pizzas non sollicitées. Hein, tu es confus, confus pour être gentil ou schizo pour être méchant. Toutes les victimes finissent par avoir les mêmes réactions. Ah, nouveau concept, Christophe, tu cliques. La victime. La victime étant toujours cette catégorie d'êtres qui n'a rien fait, rien demandé et qui ne mérite en rien. Mais comme ça, il y a une partition de l'humanité entre les bourreaux et les victimes qui n'entretiendrait aucune relation dialectique et qui serait déterminée à la naissance comme une injustice transcendantale. Ça, c'est aussi un concept féministe. Ça tombe sur elle. Est-ce que je voudrais que vous reteniez particulièrement ? Donc là, il ne te demande pas de comprendre, il te demande de retenir, c'est-à-dire de croire. Donc là, ce n'est plus un exposé, c'est une homélie. C'est qu'aucune personne, je dis bien aucune. Et puis, comme Macron, il répète. Hein, quand la parole ne se suffit pas, on ajoute le geste et la répétition. Jamais responsable du harcèlement qu'elle subit. Aucune victime n'est jamais responsable. C'est-à-dire qu'en fait, les gens t'en veulent. Pour aucune raison. Les gens se liguent contre toi sans raison, tu n'as jamais rien fait,
Et donc, tu n'es pénalement et physiquement et civilement responsable d'aucune de tes actions. Donc, ça s'appelle un mineur. Tu es un mineur perpétuel, en fait. Puisque si tu n'es responsable de rien de ce que tu commets, tu ne peux pas avoir le droit de vote et tu ne peux pas exercer ton plein libre arbitre. Donc, tu n'es pas un adulte. Donc, dis-le nous. Dis, je veux vivre en enfant toute ma vie. Ah oui, comprendre pourquoi. Moi, dans la vie, je vous recommande quelque chose de chaton. Ne vous demandez jamais pourquoi. Dès que vous commencez à réfléchir, à établir les médiations, à rétablir les séquences causales, à comparer à d'autres alternatives, tout ça, ça sert à rien. Écoutez les discours officiels, écoutez les médias officiels, soyez pro-féministe, pro-LGBT, pro-progrès et pro-migrant et pro-tout court. Et ne vous demandez jamais, surtout, ce qui est à l'origine de votre situation. C'est inutile, ça vous fait mal à la tête, ça vous fait perdre du temps, et ça vous rend un peu résistant, ça vous tanne le cuir. Ensuite, vous êtes moins perméable au vaccin, aux puces, à l'application Stop Covid, au féminisme, enfin, à ce qu'on va vous injecter. Donc, mi raccomando, comme on dit ici, je vous recommande, surtout, ne vous demandez pas pourquoi le féminisme est sponsorisé, instigé, diligenté et mis en avant comme ça. Hein. Je vous interdis de vous poser la question. Quoi ? C'était tombé sur moi et pas sur mon voisin ou ma voisine. J'essayais de me demander pourquoi j'avais pu attirer l'attention sur moi. C'est qu'on se demande pourquoi un mec qui ne cherche pas à attirer l'attention se peint les ongles en noir déjà. On se demande. Moi, j'ai rien contre les hommes qui affichent leur féminité. J'ai rien contre les hommes qui se tatouent. J'ai rien contre les hommes qui se font les ongles. Pourquoi ? Parce que mon héros, mon modèle quand j'avais 17 ans, c'est Dennis Rodman. Et Dennis Rodman, donc le défenseur d'abord de Détroit, je crois, puis des Bulls, c'était le modèle de l'alpha mâle des années 90, tatoué, baraqué, etc. Mais Dennis Rodman s'habillait souvent en femme, avait les ongles peints et encore aujourd'hui porte toujours des lunettes de soleil de femme. Et Dennis Rodman a baisé de la nymphette et de la modèle au kilomètre, lui en une saison, plus que toi et moi dans toute notre vie. Donc j'ai aucun problème avec les mecs qui affectent des codes féminins. Par contre, faut être Dennis Rodman. Faut pas être Thomas Messia. Et tu verras qu'il y a des charismes qui sont quand même complètement, complètement différents. En réalité, dans mon cas personnel, ça n'a pas été très compliqué à comprendre. Il s'avère que depuis maintenant d'assez longues années, j'exprime, grâce aux médias qui m'ont laissé la possibilité, ou sur les réseaux sociaux, j'exprime mes convictions profondément pro-féministes. Alors, tu as remarqué que son métier ne consiste pas à argumenter, à produire du raisonnement, à synthétiser des études, son métier consiste à exprimer des convictions. Donc évidemment, quand tu pars du principe que tu n'as pas à t'appuyer sur le réel, mais simplement à exprimer une conviction, on accepte que tu ne fais pas un travail de vérité, tu fais un travail d'opinionniste à la limite. En italien, ça s'appelle un opinionista, quelqu'un qui exprime une opinion. Simplement parce que j'ai osé exprimer des convictions féministes. Donc là, évidemment, si c'était vrai, il nous dirait ce que c'est. Il nous dirait « j'ai été licencié pour mes convictions », ça n'est pas le cas. Il est toujours prof de maths. Moi, j'ai été licencié pour des propos que j'ai jamais tenus. Ils connaissent tous l'histoire. On m'a mis dans la bouche les propos que les femmes seraient toutes des salopes, alors qu'en réalité, c'était le titre. Non, pardon, qu'il faudrait les traiter comme des animaux ou comme des chevaux, alors que c'était le titre d'un article internet dont je me moquais et que je critiquais avec mon copain Léo. Moi, je sais ce que c'est que d'avoir perdu un job. Je sais ce que c'est que d'avoir été victime de diffamation et de bad buzz. Là, il a aucun argument, en fait. Qu'est-ce que t'as perdu, mec ? T'as encore tous tes comptes sur les réseaux sociaux, t'as encore ton job et t'es invité chez TED. Moi, je serais jamais... Bon, d'abord, je veux pas y aller parce que c'est un truc de loser, c'est has-been, c'est ringard. Le mec, il a fait 1000 vues. TED, ça fait plus de vues. Il a fait 1000 vues sur un compte qui a 25 millions d'abonnés.
1000 vues sur un compte qui a 25 millions d'abonnés. Est-ce que tu te rends compte? Donc même avec toute l'appui des recommandations, de la force de l'algorithme qui te recommande la vidéo, personne ne te regarde. Donc en fait, tu n'as été victime en rien. Simplement, comme tu n'as pas d'exemple concret, encore une fois, tu mets des mots. La formulation se substitue à l'argumentation. C'est quoi? Comment on peut le définir simplement? Eh bien, une des définitions qu'on peut donner, c'est le fait que toutes les personnes devraient avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, quel que soit le premier numéro, le premier chiffre de leur numéro de sécurité sociale. Oui, mais là, c'est encore énième. Donc, sixième argument, sixième ineptie féministe, se battre pour un monde déjà advenu. Hein. Cet argument, il était valable il y a un siècle. Désormais, les droits et les devoirs sont strictement identiques. L'impression subjective d'inégalité, c'est pas une inégalité, c'est une Enfin, il ne se bat pas pour l'égalité, il se bat pour l'équité. C'est-à-dire que, j'ai déjà expliqué à 1500 reprises, quand les femmes surperforment à l'école, on ne l'attribue jamais à une injustice scolaire, on l'attribue au fait qu'elles seraient plus soignées, plus ordonnées et, en dernière instance, plus intelligentes que les hommes. Quand elles sous-performent dans le monde du travail, on ne dit pas que les hommes sont plus malins et plus intelligents, on dit que c'est le système qui est vicié et qui est biaisé. Donc encore une fois, vu que le but de ces gens, c'est l'égalité absolue, ça veut dire que tu es obligé de truquer le jeu au départ. C'est-à-dire d'associer des coefficients plus faibles aux matières où les hommes sont meilleurs pour à la fin arriver à une performance équivalente. Le monde, un monde où les citoyens masculins et féminins bénéficient des mêmes droits, il est déjà advenu. C'est le monde actuel. Mais l'égalité de départ, ce n'est pas l'égalité sur la ligne d'arrivée. Hein. Au 100 mètres, tout le monde part sur la même ligne. Mais il y en a un qui arrive en 9,57, qui s'appelle Usain Bolt, et il y en a un qui arrive en 10,08, ou je ne sais plus combien, qui s'appelle le champion français, et tu en as un qui arriverait en 12 ou 13, qui s'appellerait Stéphane Edouard, et puis un en 14 ou 15, qui s'appellerait Christophe. Bon, tu cours moins vite parce que ça se voit, comme t'es gaulé, on n'a pas le même centre de gravité, on voit qu'au sprint, je te marave. C'est aussi simple que ça. Et moi, grâce à l'éducation que m'ont apporté des tas de militantes féministes, et qu'elles continuent d'ailleurs à m'apporter au quotidien, j'essaie moi aussi de propager cette parole et d'expliquer notamment que les hommes ont énormément de privilèges et ils en ont encore. Christophe, tu cliques ? Le privilège masculin, on le connaît bien. Hein. Endosser toutes les activités physiquement éprouvantes, mines, ordures, plateformes pétrolières, machines-outils, tout ça c'est des hommes, donc on meurt plus tôt. Les maladies dégénératives et tout ce qui est physiologiquement maladie typiquement masculine est moins sponsorisé, fait l'objet de moins de recherches, moins de dons, on perd systématiquement la garde des gosses, on rapporte 70% de la calorie au foyer, on décide quasiment de rien parce que c'est la femme qui décide, qui est prescriptrice d'achat, quand on divorce on perd la moitié de ce qu'on a gagné, on meurt à la guerre, enfin tout ça évidemment c'est le fameux privilège masculin bien connu, hein, les arguments sont sur mon site, l'article s'appelle 20 raisons pour lesquelles il est plus simple d'être une femme qu'un homme. J'ai expliqué également qu'il était temps que tout ça soit redistribué de façon bien plus équitable. Mais beaucoup d'hommes ne voient pas les choses de cet œil, et en particulier... Oui, alors là, tu me fais un petit clic là, sur le compteur pour la redistribution équitable. On est quand même dans la civilisation, et j'oserais dire le pays... qui, en dépit de ses tares, redistribue le plus. Donc Thomas, je suis bien passé pour le savoir, parce que étant chef d'entreprise célibataire, je suis celui qui me fait ponctionner au porte-monnaie le plus pour que ça soit redistribué à des branleurs comme toi. Hein. Tu es fonctionnaire, donc c'est moi qui te paye. Tu es subventionné par Slate, enfin tu es sponsorisé par Slate elle-même, probablement subventionné par des subventions... d'origine douteuse, donc indirectement je te subventionne pour que tu me pourrisses la vie, donc il n'y a pas plus redistributeur que nous, donc cite-nous un modèle, tu veux aller où? Tu veux aller au Japon, tu veux aller aux États-Unis, tu veux aller au Moyen-Orient, tu veux aller en Russie, c'est où qu'on redistribue comme tu l'entends entre guillemets, parce que les seuls exemples de sociétés parfaitement égalitaires, on a vu ce que ça donnait, hein, ça s'appelle le communisme. Et du coup, on redistribue bien, mais comme on n'a pas créé de richesse, il n'y a rien à redistribuer. C'est toujours la fameuse opposition droitière capitalisme-communisme.
Le capitalisme, ça crée de la richesse, mais ça ne sait pas la partager. Le communisme, ça sait la partager, mais comme ça n'en crée pas, eh ben on se partage un quignon de pain et de l'eau et de la vodka, quoi. C'est-à-dire rien. Mais à la limite, donne-nous un exemple, sois concret, propose-nous un modèle de société et décris-nous en quoi il serait adaptable à la France, en combien de siècles, qu'est-ce qu'il faudrait comme réforme pour nous transformer. On attend ces arguments, mais on ne les entend pas, on ne les entend pas, Thomas. Cela, ce que je considère moi comme étant des privilèges qu'il est normal de redistribuer et de partager, pour eux, il s'agissait d'acquis fondamentaux, qu'il était hors de question de céder aux autres. Au fond, j'ai fini par me dire qu'ils se comportaient comme des enfants de 3 ans. Un enfant de 3 ans, quand il a trop de jouets, qu'on essaye de lui en prendre un peu pour sentiment. Et puis, il aura l'impression de vivre une profonde injustice. Des gamins à la crèche. J'ai poursuivi ma réflexion et puis je me suis dit qu'en fait, Merceleur et moi, on était quand même d'accord sur un point. On est d'accord sur le fait qu'en fait, les hommes n'ont rien à gagner au féminisme. C'est vrai, mais c'est incomplet, cher Thomas. C'est pas les hommes qui ont rien à gagner, c'est surtout les femmes. Les premières victimes de cet appel au loup permanent, ce sont les femmes réelles. Hein. Je l'ai déjà expliqué à 1000 reprises avec MeToo, par exemple. Les premières victimes des fausses dénonciations pour viol, comme la dernière en date, la fameuse main aux fesses de Giscard d'Estaing à une journaliste il y a 1 an et demi. Donc elle a mis 1 an et demi mentalement pour se décider à porter plainte. Et surtout, elle ne pouvait pas repousser la main d'un homme de 91, 92 ans. Peut-être 90 à l'époque des faits. Parce qu'elle était sous emprise. Imagine la main veule et tremblante d'un vieillard quasi sénile de 92 ans. Et elle n'a pas pu fermement lui saisir le bras en disant « Président, je suis flatté de votre intérêt. Par contre, je suis contrainte de décliner. » Tu dis ça, tu lui tiens le bras, et ensuite tu l'en serres en souriant à la photo, ou tu fais comme le président du CRIF à Macron, tu lui lèves la main là comme ça de force. Enfin, le mec, il est quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais non, tu te laisses faire. D'ailleurs, entre nous soit dit quand même, tonton Giscard... Il remonte dans mon estime. Moi, je pensais vraiment... Enfin, voilà. J'avais entendu ces histoires de Diana et compagnie. Il avait manifestement des arrière-plans un peu plus libidineux et érotiques que son attitude austère ne le laissait entrevoir. Là, quand même, on se dit, putain, on est peut-être passé à côté d'un rigolo, quoi. On a peut-être raté 2 grands présidents de la 5e, c'est Jean-Marie Le Pen et Giscard. Ah, mais non, Giscard, on l'a eu. Bon, enfin, on s'en souvient pas. Obnubilé par son projet européen, il aurait été, tu vois, plus gaulois, plus bigarien, plus bigaresque comme ça à l'époque. Peut-être aurait-il laissé une trace dans l'histoire, on ne sait pas. Enfin bon, bref, donc voilà, les vraies victimes, celles qui subissent vraiment des violences, des traumas, voire qui en décèdent, sont victimes de tout ce magma de fausses dénonciations éhontées qui encombre la justice et qui sature l'opinion publique. Voilà. Donc les vraies victimes du féminisme sont les femmes et les hommes, oui, indirectement, parce qu'en fait, on est gonflés, mais les vraies victimes, c'est pas nous, c'est elles. Pourquoi est-ce que les hommes se battraient pour le féminisme? Est-ce que vous connaissez beaucoup d'hommes qui sont victimes de propos déplacés ou de mains baladeuses de leurs supérieurs ou de leurs collègues? Oui, ça s'appelle les gays. Moi, par exemple, tu vois, comme tu me vois, j'ai reçu des propositions de gays par centaines dans ma vie, pas plus tard que la semaine dernière, par le mec qui est devant le cul-de-sac. Tu vois ce que c'est, le cul-de-sac? Ouais, le restaurant. Voilà. Et ben, juste avant le cul-de-sac, il y a un resto sicilien, et le mec m'a fait des avances ouvertes. Il était très gentil, très, très, très mignon, et je lui ai répondu que, en dépit de tous mes efforts, au bout de 42 ans, j'arrivais toujours pas à m'intéresser aux hommes. Mais que j'appréciais que c'était franc, c'était clair, c'était souriant, c'était... Parfois c'est moins souriant, mais j'ai toute ma vie reçu des propositions de mecs, tout le temps. Enfin, promène-toi avec moi, tu verras, j'en ai tout le temps. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et enfin si, je sais un peu pourquoi. Quand t'es grand et stylé, bien habillé, t'es regardé par les mecs, voilà. Et voilà, enfin c'est la vie, et j'en ai jamais fait un drame. Alors, que les propositions des hétéros envers les femmes soient plus graveleuses que les propositions des homos envers les hommes, j'ai un grand doute.
Parce que franchement, niveau graveleux et niveau cul, les homos, ça se pose là. Donc, bon, si tu veux, encore une fois, confusion entre le harcèlement réel, menaçant, et la drague lourdingue. Est-ce que vous connaissez beaucoup non. d'hommes à qui on a déjà reproché d'être habillé trop sexy ou pas assez? Est-ce que vous connaissez beaucoup d'hommes qui ont déjà dû presser le pas dans la rue parce que des inconnus voulaient absolument leur demander leur numéro de portable? Oui, alors moi, je connais beaucoup de femmes qui pressent le pas dans la rue. Les inconnus ne veulent pas leur numéro. Les inconnus veulent leur arracher leurs vêtements, leur arracher leur portefeuille et leur arracher leur téléphone. Et je connais également des hommes. Donc, encore une fois, toujours cette confusion entre le harcèlement, la drague, la violence. Il n'en connaît pas. Donc, apparemment, il est dans une banlieue chic de Roubaix où tout ce qu'il décrit n'existe pas. Ben, je pense qu'on peut emmener Thomas dans certaines régions françaises, où il verra la réification, la mise en application de ce que je viens de lui dire. Il verra des hommes menacés dans la rue, il verra des téléphones volés, il verra... Parce que manifestement, dans son coin à Roubaix, ça n'existe pas, ou peut-être qu'il a une vision sélective, tu vois, où il n'a pas ses lunettes quand ça se produit à côté. Il a un peu une tête d'avoir des lunettes, non? Oui. Sauf que pour Merceleur, et pour d'ailleurs beaucoup d'autres hommes qui n'ont jamais harcelé, ça a justifié le fait de ne pas se battre. Tout va bien. Le mec, il parle de se battre, il fait 50 kilos, 1m55, il a plus de hanches que d'épaules, il a des seins, et le mec parle de se battre. Il se bat sur Twitter, tu vois. Non, mais viens à mon club de boxe, à la limite, tu vois, enfin, on rigole, on bat-toi, quoi. Ça me rend vraiment marteau, cette somme d'inégalités absolument accablantes qui rendent le quotidien des femmes mille fois plus compliqué, mille fois plus accidenté que celui des hommes. Non, on l'a déjà... Tu ne me le comptes pas celui-ci parce que le côté c'est plus dur d'être une femme, on l'a déjà. Alors comment ça se manifeste le féminisme au quotidien? Ça peut être très simple. Parce qu'en fait, mes harceleurs, ils avaient l'impression que moi j'étais quelqu'un d'extrémiste, que je voulais remettre en question toute la façon de penser, d'agir, de vivre des hommes. Or non, le féminisme, ça peut être quelque chose de très doux au départ. De très progressif. Alors, moi, quand quelqu'un m'explique qu'il va s'adonner avec moi à une expérience, que ça va être très doux et que ça va être très progressif, spontanément, j'ai envie de dire non. Parce que spontanément, j'ai envie de dire que là, je vais être victime de quelque chose qui va pas me plaire. C'est pas à pas. Ça commence par remettre en question son rapport aux autres. Son rapport à l'humour, par exemple, l'emploi d'un certain vocabulaire, se demander si on est parent, si on est vraiment de la même façon ses fils et ses filles. On l'a déjà compté, mais bon. Se demander, pour absolument chacun et chacune d'entre nous, si on traite les femmes avec autant de respect que les hommes. Bah, même plus en réalité, puisque la femme porte la matrice. Enfin bon, bref, allez, appuie, on en a marre d'argumenter, appuie. Et puis au final, on se rend compte quand même, quand on a ce comportement au quotidien, que même si on n'a pas grand-chose de concret à y gagner, le féminisme peut quand même nous apporter beaucoup de choses à nous les hommes. En premier lieu, il nous apprend l'empathie. L'empathie, c'est ce qui fait qu'on arrive... Ben là, tu le comptes pour un demi, celui-ci. Parce que sur le fond, il a raison, hein, c'est peut-être notre seul point de raccord. De toute son argumentation, tu le sais, tu m'as déjà entendu le dire, le principal défaut de H pur, c'est son désintérêt pour l'empathie et la psychologie. Après, je ne suis pas certain que le meilleur cours, la meilleure école pour l'apprendre, ce soit l'école féministe. Mais bon, allez. On essaie en tout cas de se mettre à la place des autres personnes pour essayer de comprendre ce qu'elles ressentent. Je ne suis pas unilatéral. L'empathie, c'est quelque chose qu'on enseigne beaucoup aux petites filles, en leur mettant notamment, dès le plus jeune âge, un poupon dans les bras et en leur demandant de s'en occuper. Qui éduque les enfants et qui éduque les filles? Qui passe le plus de temps avec les enfants, qui préfère leur éducation pendant que l'autre bosse, en général, c'est les femmes. Donc nous avons tous été majoritairement éduqués par notre mère. C'est pas ton père qui t'a élevé quand tu étais gamin. Non. Donc à un moment, qui transmet ataviquement, de génération en génération, qui transmet ses pruries, ses rictus, ses habitus? C'est les femmes elles-mêmes. J'appartenais à une bande d'amis dans laquelle plus un homme se comportait de façon dégueulasse avec les femmes, plus il était valorisé. Tolérable pour moi. Alors j'ai décidé purement et simplement de rompre avec ses amis. Donc là, je pense que là, on est sur la synthèse de la synthèse. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur l'autre colonne,
On n'est même plus sur le parfum, on est sur l'eau de parfum. C'est vraiment l'extrait condensé d'essence de tout ce qu'on veut. Le type vient de nous dire en synthèse qu'en fait, quand il ne supporte pas le réel, il rompt. C'est-à-dire, en fait, mes amis se comportaient selon les schémas prescrits par la nature, c'est-à-dire le réel, hein, comme dit l'autre, le réel, c'est quand on se cogne à la réalité. Et en fait, je ne le supporte pas, donc je vais arrêter de voir ses amis, c'est-à-dire je vais arrêter de voir le réel qui m'entoure. La réalité, cher Thomas, c'est que nous sommes des millions d'hommes à espérer et à avoir un jour, ou plusieurs, chercher à faire dans le beau avec les femmes. On a tous cherché à faire un cadeau unique, on a tous cherché à être repérés pour une élégance, pour une culture, enfin tous, non, pas tous, enfin en tout cas, certains ont essayé d'être identifiés et valorisés pour un talent, une observation, une finesse, une répartie, un cadeau, un goût. Et en réalité, ça ne donne jamais rien. Et par contre, on est désespéré de voir qu'il suffit de se comporter comme un bâtard sensible pour que ça fonctionne. Je sais exactement comment me comporter. Il faut ignorer, gentiment mépriser, démontrer beaucoup de valeur, disparaître, réapparaître. C'est malheureux, mais ça s'appelle le réel. Mais moi, je le déplore, je le désole. De temps en temps, j'enfreins même ma propre règle, qui est de faire le bâtard sensible, pour faire quelque chose de beau, de désintéressé, de gentil, et voilà, un très beau cadeau, une très belle attention. Mais généralement, ça n'a jamais autant d'effet que de faire le bâtard. Mais je ne ferme pas les yeux sur le réel non plus, et je ne me scinde pas des gens qui incarnent le réel. Je considère que c'est tragique, que c'est ainsi, mais je ne peux pas fermer les yeux sur une partie de ce qui m'entoure. Donc là, on voit vraiment l'aveuglement consenti et volontaire et choisi de ces gens. Et puis j'ai décidé de continuer à faire un peu le ménage autour de moi en réalisant que une partie des gens avec qui je passais mes samedis soirs ou mes week-ends me semblaient hélas eux aussi assez irrécupérables sur ce genre de sujet. Il se paraphrase, hein, il répète là. Je vous donne un deuxième exemple. Je suis marié depuis maintenant plus de 8 ans avec une femme que j'aime et qui m'aime aussi, j'espère. Tu remarques qu'il est certain qu'il l'aime, mais il émet quelques doutes sur la réciproque. La réciprocité, c'est beaucoup moins sûr, hein. On va voir dans quelques instants pourquoi il émet ses doutes. Il a une petite case qui fonctionne encore. On verra qu'il a raison d'émettre un léger doute. Eh bien, même si elle porte un anneau symbole de notre union, j'estime n'être en rien son propriétaire. Elle ne m'appartient pas, ni son corps, ni ses pensées, ni ses désirs. Mais personne n'a jamais prétendu que l'union, c'était la possession du corps de l'autre. Ça s'appelle l'esclavage. On n'a jamais décidé que le mariage était le premier jour de l'esclavage de la femme. Le mariage est une protection pour la femme dans la deuxième partie de sa vie, c'est-à-dire quand le projet des enfants a été réalisé, donc quand la chimie des corps a parlé et qu'elle a fait son fruit, qui est de faire des enfants, la chimie t'abandonne. Tu n'es plus spontanément, physiquement, animalement aussi attiré par ta femme. Et donc tu as tendance, si en plus il te reste du capital physique et que tu as accumulé du capital économique, tu as tendance à partir à la recherche d'une autre femme. Le mariage a pour fonction d'empêcher, de minimiser, de décourager l'abandon de la femme. Donc le mariage est une protection pour les femmes, c'est le contraire de leur esclavagisation. Et encore une fois, les sociétés où les femmes sont enfermées à la maison ne sont historiquement pas la nôtre, et donc à un moment il faut le dire, tu vois. Mais là il ne le dit pas, hein. Il se montre coupable d'omission coupable. Cette femme vit parallèlement à la nôtre une deuxième histoire d'amour. Parce que je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence? Donc là, tu comprends l'origine. Alors, le choix peut vous sembler radicaux. D'abord, c'est pas un choix, hein. C'est elle qui a choisi. C'est pas toi qui as choisi de l'offrir à un autre, hein. C'est pas toi qui allais ramener l'autre. C'est elle qui a choisi de t'abandonner. Premièrement. Deuxièmement, toi, t'as pas d'autre meuf?
Moi, encore une fois, je n'ai pas de critique fondamentale à faire de la polygamie. Je pense que ceux qui la critiquent vertement, en réalité, s'en montrent parfois les auteurs eux-mêmes. J'ai entendu des gens parfois avoir un discours très très critique sur les contrats de couple ouvert en étant eux-mêmes, en ayant déjà eux-mêmes trompé leur partenaire. Et troisièmement, je suis pas prude. Donc moi, j'ai aucun problème avec les couples multiples. Par contre, là, le mec, il est éternellement cocu, quoi. C'est-à-dire qu'il est cocu quand il était jeune, parce que il a un physique à se faire tabasser. Enfin, il a quand même un physique où... Il me rappelle un mec qui était avec moi au collège, qu'on avait tout le temps envie de taper, qui s'appelait Asden Teufel. Jocelyn Asden Teufel. Et il a un peu... Voilà. Je vous ai enjoint à résister à l'envie, ne le molestez pas, ni verbalement, ni rien, mais... T'as quand même un peu envie de lui péter la gueule, quoi. T'as vraiment physiquement envie de le charcler. Et jusqu'au bout, il est vraiment dans la position du donneur de leçons, mais éternellement baisé, quoi. Et par sa propre femme, avec laquelle il doit être très très fier de s'être reproduit trois fois. Parce que ça, c'est toujours la technique du ton. Hein, c'est le timide et l'homme timide et l'homme ton du collège et du lycée, qui, quand il prend sa femme, l'épouse et lui fait deux trois gosses très très vite pour en réalité se débarrasser du problème, tu sais, pour échapper à l'enfer du célibat, de la compétition, du marché. Le célibat est un marché, comme l'a très justement et romanesquement écrit Houellebecq dans l'extension du domaine de la lutte. Et donc pour sortir du marché le plus vite possible, ils se mettent en couple et ils font des gosses. Le problème, c'est que comme il n'est pas à même, par son corps, par son charisme, par son intelligence, de susciter le désir, du coup il est cocu, et donc il écrit une matrice, il écrit un conte dans lequel ça serait un choix. Mais c'est pas un choix, c'est juste que tu ne génères pas, tu n'es pas à même, en fait, de susciter ce dont ta femme a besoin. Ça n'a en rien ta volonté. D'ailleurs, vous remarquerez que je ne vous demande pas d'imiter mes choix de vie. Mais c'est pas ton choix. Il arrive même pas à dire que c'est un choix de vie, t'as entendu ? Il a hésité, mais il a, au fond, il est sauvable. Il faut bien entendre que moi, je perçois qu'au fond, il y a une part de lui, de normalité et de bon sens, qui ne demanderait qu'à être cultivé. Mais le problème, c'est que comme il s'est scindé de tous les gens de bon sens pour ne s'entourer que de féministes baveuses acharnées de combat, eh bien, elles vont étouffer cette part de bon sens, hein, celle qui le pousse à remarquer que c'est même pas son choix, pour finalement le pousser jusqu'au bout de ses retranchements et de sa logique. Et ce type-là n'ira peut-être même pas jusqu'au bout. Hein. C'est le genre de type qu'on peut retrouver complètement inverti. À la limite, ce qui pourrait lui arriver de mieux, c'est qu'il nous fasse une Asselineau. Bon, déjà, ils ont un peu le même physique, hein, pas au même âge, mais dans 30 ans, il sera exactement comme à 60 ans, il sera exactement comme Asselineau. Il manque juste un petit peu de ventre. Et il faudrait par contre qu'il découvre ses penchants pour les éphèbes beaucoup plus tôt. Parce que c'est écrit sur sa gueule qu'il a envie de prendre repos. Enfin, c'est écrit, c'est dit. Le mec écrit sur la reconnaissance anale des toilettes, quoi. Donc, si j'ai en tant qu'expert des relations humaines, Thomas, si je puis me permettre de te donner un conseil parfaitement amical, parce que je suis en empathie avec toi, tu vois, moi aussi j'ai une sensibilité, et je sens que tu souffres. J'ai envie de te dire, avec toute la tendresse du monde, fous-nous la paix et puis fais-toi enculer. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible.